Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Dans le cadre de ce rassemblement dominical, où nous rendrons grâce au Seigneur de tout ce que nous avons vécu au cours de cette semaine, nous rappellerons aussi à notre mémoire Thérèse Godbout, qui nous a quittés il y a un an pour la maison du Père. Fort de notre foi en la communion des saints, intercédons auprès de Dieu afin qu'il la comble de sa paix et de son amour. Nous prierons aussi au cours de cette célébration pour Marianne Simon, Renaud Plourde, Raymond de Saint-Laurent, Raymond Lévesque, Antoinette Bélanger-Dumais, Napoléon Roy, Jean-Marie Lévesque, Jean Saint-Laurent. La messe chrismale aura lieu mercredi cette semaine, le 17 avril, à 16h30 à Rimouski, en l'église Pidis. Un autobus est prévu pour cette messe. Le départ de l'église d'Amqui et les coûts seront entre 12 et 15 $ et le départ se fera à 2h30. Donc, il faut arriver vers 2h, entre 2h et 4h avant pour faire trop attendre l'autobus. Merci. Vous pouvez vous inscrire au bureau du presbytère en téléphonant au 418-629-3242. Le coût des rameaux est fixé à 3 $. Veuillez noter la nouvelle horaire des heures de bureau du presbytère à partir du 1er mai. Les feuilles sont affichées aux portes de l'église. Ce dimanche n'est pas comme les autres. Avec des rameaux en main, en ouverture de la célébration, nous acclamons un roi qui deviendra un condamné innocent. Qui est-il, ce Jésus désarmé, si désarmant? Le drame de la Passion du Christ nous fait résolument entrer en Semaine Sainte, marchant sur les pas de celui qui s'est livré pour notre salut. Levons-nous pour entrer en célébration avec l'abbé Diego. Frères et sœurs, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour accompagner avec toute l'Église la célébration du mystère, pour commencer avec l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Maintenant, je vais faire la bénédiction des rameaux. Vous pouvez s'approcher d'ici. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Augmente la foi de tous ceux qui espèrent en toi, Seigneur,
exauce la prière de tous et celles qui te supplient. Nous tenons à la main ce rameau pour acclamer le triomphe du Christ, pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire. Donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin ». Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne ?» Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu en pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus et ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant, « Je vous l'ai dit, si eux étaient, les pierres crieront, acclamons la parole de Dieu. » Maintenant, mes amis, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Je vous invite à participer de la procession. Qui es-tu, ô roi
couronne, prince sans armée, qui es-tu? Toi dont le royaume nous est partagé. Hosanna, 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 gloire à toi, Jésus. Sois béni, toi qui viens du Père, pour notre bonheur, sois béni, toi qui passes en frère au chemin du cœur. Hosanna, 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 gloire à toi, Jésus. Hosanna, 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 gloire à toi, Jésus. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer aux gens humains que l'abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre. Qu'il le sauve, puisqu'il est sans... qu'il compte... On va reprendre. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
passe les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il partage entre eux mes habits et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant à la mort, jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « Je désirais d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare. Désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, « Ceci est mon corps, donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance
à mon sang répandu pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé, mais malheureux cet homme-là par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais il leur dit, « Les rois des nations les condamnent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi, je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. Et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, « Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. » Jésus reprit, « Je te le déclare, Pierre, le coq ne chanterait pas aujourd'hui avant que toi, par trois fois, tu aies nié me connaître. » Puis il leur dit, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? » Ils lui répondirent, « Non, de rien. » Jésus leur dit, « Eh bien, maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne. De même, celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. » Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Ils lui dirent, Seigneur, voici deux épées. Il leur répondit, cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit, « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant, « Père, si tu le veux, « éloigne de moi cette coupe, cependant que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors, du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous?
Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus et lui donna un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, « Seigneur, et si nous frappions avec l'épée? » L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus lui dit, restez-en là. Et, touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, grand prêtre, chef des gardes du temple et anciens, suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi, mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. S'étant saisi de Jésus, ils l'amenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit, « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nia. « Non, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant, « Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. » Pierre répondit, « Non, je ne le suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait avec force, « C'est tout à fait sûr, celui-là était avec lui, et d'ailleurs, il est galiléen. » Pierre répondit, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et, dehors, pleura amèrement. « Quand sa croix s'élève, le monde renaît. » Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. « Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé? » Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on amena Jésus devant leur conseil suprême. Ils lui dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Et il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne me croiriez pas, et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous lui dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu? » Il leur répondit, « Vous dites... Oh. »« Vous dites vous-même que je le suis. » Ils dirent alors, « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. » L'assemblée tout entière se leva et on l'amena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis.
Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa donc bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit, « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous et, parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Ils se mirent à crier tous ensemble. « Mort à cet homme! Relâche-nous Barabbas! » Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de le relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais il vociférait, « Crucifiez-le, crucifiez-le. » Pour la troisième fois, il leur dit, « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors, Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors, on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Ils amenèrent aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu du dit, le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur,
ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: amen, je te l'ai dit, aujourd'hui, avec moi, tout sera dans le paradis. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. C'était déjà environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournait en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil, nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête et déjà brillait la lumière du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis, elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Vous pouvez vous asseoir.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Au début de cette célébration, nous avons entendu le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Les acclamations de la foule ont été pour lui un triomphe, très modeste, mais incontesté. Cet événement annonce la gloire qui sera la sienne au jour de l'Ascension. Mais tout au long de cette célébration, nous découvrons que ce chemin de gloire devient aussitôt un chemin de souffrance, de dépouillement et de confiance. Les trois lectures de ce dimanche nous montrent la façon délibérée dont Jésus entre dans la souffrance. Il est allé jusqu'au bout de sa mission, jusqu'au don de sa vie. Son attitude nous invite à prendre le même chemin, écouter la parole de Dieu comme celui qui se laisse instruire par cette parole, accepter comme le Christ le dépouillement de nous-mêmes, aller jusqu'au bout de l'amour qui pardonne. Ce chemin qui s'inaugure au dimanche de Rameaux, nous le retrouverons inversé durant les trois derniers jours de la Semaine Sainte. Passant par la souffrance et l'offrande de sa vie, le Christ sortira de son tombeau. La mort sera vaincue. C'est à cette victoire sur la mort et le péché que le Christ veut nous conduire. C'est cette bonne nouvelle que nous rappelle saint Paul dans sa lettre aux Romains. Là où le péché a abondé, l'amour a surabondé. Ce récit de la Passion n'est pas un simple reportage. C'est d'abord la source de notre foi. C'est Jésus qui a été acclamé lors de son entrée à Jérusalem, vu aussi entrer dans notre vie. Il ne cesse de frapper à notre porte et il entend que nous lui ouvrions à chaque messe. Il rejoint les communautés chrétiennes réunies en son nom. C'est avec toute la force de notre amour que nous sommes invités à chanter « Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur ». Nous allons communier au corps livré pour nous et au sang versé pour nous. Nous recevons de lui la force de le suivre et de faire route avec lui. Demandons-lui qu'il nous accompagne chaque jour à travers les joies et les difficultés de la vie. C'est avec lui que nous voulons le vivre en lien avec lui et nos frères et sœurs pour toujours. Amen. Vous pouvez vous lever. Professons notre foi ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli. Nos enfers, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Frères et sœurs, en cette Semaine Sainte,
Prions le Seigneur afin que la force libératrice de la passion de son Fils rejaillisse sur le monde entier. Je vous invite à répondre, Seigneur Dieu des armées, délivre-nous de tout mal. Seigneur, toi qui as été trahi par l'un de tes amis, nous t'en prions, souviens-toi des personnes abusées, trompées ou abandonnées. Ensemble. Seigneur Dieu des armées, délivre-nous de tout mal. Seigneur, toi qui as connu la souffrance et la solitude sur le chemin de la croix, nous t'en prions, souviens-toi des personnes peinées et esselées. Dieu des armées, délivre-nous de tout mal. Seigneur, toi qui as été jugé comme un criminel, nous t'en prions. Souviens-toi de ceux et celles qui sont traités injustement, brimés dans leurs droits. Seigneur Dieu des armées, délivre-nous de tout mal. Seigneur, toi qui as gardé le silence devant tes accusateurs et devant la mort, nous t'en prions. Souviens-toi des martyrs qui donnent leur vie pour ton nom. Seigneur Dieu des armées, délivre-nous de tout mal. Seigneur, toi qui as été renié par Pierre et abandonné par tes disciples, nous t'en prions. Soutiens ton Église et accorde-lui d'être pleinement fidèle à sa mission. Seigneur Dieu des armées, délivre-nous de tout mal. Dieu Sauveur, écoute la prière de ton peuple qui s'en remet à ta bienveillance. Accorde-lui une espérance telle que rien ne pourra le séparer de toi. Nous te le demandons par Jésus, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix, et nous pensons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. Aux nuits de solitude, au soir de l'abandon, c'est toi qui meurs sur sans te voir. C'est toi qui meurs sur nos croix, et nous passons sans te voir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché, en ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cesse de t'acclamer en chantant. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu de Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ton royaume a commencé à l'ombre de la croix et déjà ta lumière a traversé nos vies. Ton amour nous attend au terme de l'histoire. Tu viendras dans ta gloire, Seigneur.
présente ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Denis, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laissons pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, délivre-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, portant nos silences. Agneau de Dieu, portant nos silences. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, portant nos faiblesses. Agneau de Dieu, portant nos faiblesses. Donne-nous la paix.
Frères et sœurs, heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prenez et mangez le pain de mon corps, prenez et buvez le vin de ma mort. Me suis-je trompé sur celui qui sort sa main à tromper? On l'attend dehors. Oh, mon Père, l'heure est déjà là. Oh, mon Père, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, Père bien-aimé, éloigne de moi la coupe annoncée. Mais puisque c'est toi qui m'as envoyé, je prendrai la croix et l'accomplirai. Oh, mon Père, l'heure est déjà là. Oh, mon Père, ne me laisse comme hors la loi. Levez-vous, partez, j'entends les soldats. Que t'ai-je donc fait, mon ami Judas? Oh, mon Père, l'heure est déjà.
brium. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, où nous te supplions encore, toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine sainte à tous et toutes. Montons ensemble.